Yop, les petits potes. Yo, Matelex. À tous. Salut la team blablabla. Salut Tatsu. Ouais. J'étais sur la perso tout à l'heure. Hop. Laissez un peu la musique là, c'est un peu. Ok, c'est mieux comme ça. Salut à tous. Moi je veux qu'il tape. Comment ça va les gars? Je vais garder un 3. J'étais gardé un 3. Ça va très bien et vous? Parfaitement bien, c'est le week-end. Les pépouzes, on est posé, tout le monde dort ici. Parti pour un petit live SW au calme. Ce serait cool qu'elle up rapidement. Ça me ferait plaisir. Ça, mon VRD claquerait encore plus d'écu en dragon. Ça va être cool. Allez ma belle, je sais que tu peux le faire. Yo Cryo Viper, comment tu vas? Zekfer, salut PlugG, salut Jenko. Ah, c'est pas de life. J'ai pas tes chinois. Oh lol. Il aura up tellement rapidement. Ça c'est du VRD ultra slow qui colle des sacrés tatanes. On va aller le tester. On va aller farmer un petit peu, à part le rush pack. Le rush pack c'était pour vous bait. Oh, un rangement. C'est rare que j'ai ces merdes là. Et quelle couleur? Oh, c'est un... Je sais pas ce qu'on va faire ce soir. On va sans doute farmer un peu. Tester mon frégate, ouais, putain, tu sais que j'y ai pensé en plus, Mathion. Je me suis dit, tiens, bah si j'avais eu frégate, ça, j'aurais pu l'XP comme ça. Mais non. C'est trop le maras. T'as vu mon tweet? J'ai 2v1 Arta au 90. What the fuck? Non, j'ai pas vu, Plugish. Tu m'attagues sur le tweet? Après, j'ai pas mal de gens qui m'ont tagué. Ah oui, si, c'est bon, je le vois. Alors, attends, viens voir. Mais t'as dû mettre une semaine à le tomber, non? T'as mis combien de temps, sérieux? Salut Taor, GG Estias. Cool. Salut Tarzan. Le fameux Brick, ouais, clairement. Le fameux Brickounet. On est ravis hein, d'avoir eu Brick. Ouais. Je vais vous montrer ta Kali. Ouais, je vous montre après s'il faut. J'ai pas vu mon VRD taper, là. Mets un buff attaque un peu, la biatch. Putain, je peux pas le voir taper, hein. Je pense qu'il met des grosses claques maintenant. Enfin, encore plus qu'avant. L'auto jusqu'à 50% des HP. Pouh, là. Une heure, mais t'es sérieux? Comment t'as eu le courage de tenir une heure? D'ailleurs, t'es chaud. Du coup, on en est où? Les GVG, on en est où là? Ici. Ok. Ok, nice. C'est pas de la troll def, on va pouvoir s'amuser un peu. Combat d'occupation, on l'a perdu. Open, j'ai une chance d'avoir le shiny. Je vais open celui du milieu, je pense que c'est un shiny. Fuck, c'est pas un shiny. C'est pas un shiny, mais honnêtement, je prends. Clairement. Putain, on a eu que de la merde hein, pour moi. Ouais, du coup on est retombé un petit peu et c'est assez cool.
Parce qu'on était beaucoup trop haut, et là il faut qu'on retombe encore un peu. Un mec en R4 avec des jumelles, ça dépop sévère. Ouais, mais en R4, après en R5, je pense que c'est... C'est compliqué de sortir des jumelles en R5. Hein. Joke. Je sais pas si ça se fait bien. Qu'est-ce qu'on va jouer? Qu'est-ce qu'on peut jouer? On va jouer les jumelles. Ah oui, vous voulez voir ma Kali. Ma Kali, elle est comme ça. D'ailleurs, elle manque de glyphes. Elle manque de gemmes. Pour le premier, on va le Lucien. Et le deuxième, on va le Cyst. On va le Twinz. Parce que j'adore les Twinz. Hop, hop. Pas de la troll def, mais le niveau de rune doit être tellement bas. Ouais, surtout qu'on fait que perdre en ce moment. Donc on se retrouve vraiment contre des guilds moisis de chez moisis. Alors, hop, poum poum. Poum. Les bons dégâts. Ça passe avec aussi peu de vitesse pour ta Kali. Ouais. Ah ouais, en fait, ça dépend avec quoi tu la joues à côté. On va faire la même chose là. Est-ce que je. Merde. On va faire l'inverse. J'ai plus confiance en mes jumelles en haut qu'en bas. Bizarrement. Ouais, parce qu'en fait, ma Kali, je la joue. En dragon où il n'y a pas besoin d'avoir de la vitesse. Et merde, je me fais outspeed. Oh, je vais perdre. Non. Attendez, je suis peut-être pas perdu. Non. Non. Casse-toi. Oh, 33 calumi, what the... Casse-toi. Ah ouais, j'ai plus l'autre pour jouer avec. Waouh. Si, peut-être un peu de RTA aujourd'hui, je sais pas, on va voir. Ça dépend de mon humeur. Putain, j'ai failli derp. Du coup, on disait quoi? Oui, je disais, en fait, ma Kali, je la joue surtout avec soit Théon, soit Olivia, enfin, des persos qui donnent le tour. Donc du coup... La speed dessus, je m'en fous. J'ai pas besoin de speed. Tiens, on va peut-être faire un peu de RHTA parce que j'ai besoin de 4 wins pour aller chercher le vélin. Run, Abyros, comment tu vas? Non, j'ai pas stun. Essayer de stun l'autre. Oh, c'est un scandale. Mais il résiste tout? What the fuck? Putain, c'est pas drôle. Je me fais rect. Je veux bah, strip. Strip ce. Reset. Nice. Non. Casse-toi, moi aussi je sais le faire. Tu termines toutes les semaines G3. Non, plus maintenant. Je fais plus de rush. Quand je rushais, je finissais entre G1 et G3, ouais. Maintenant, je rush plus et je finis entre C1 et C3. Non, ça m'arrive aussi de finir à G1, mais c'est de plus en plus rare. Parce qu'en fait, comme je troll dev toute la semaine, je suis très très bas et je peux plus remonter juste avec mes devs en fait.
Pour une première speed DB10, bon, il te faut au moins 150, 150 à 175 de speed sur tous tes persos, je pense. Minimum. C'est après, plus tu montes en DPS sur ta team, moins t'as besoin de speed. Moi, tous mes persos jouent une fois, le dragon est mort en fait. Bon, est-ce qu'on se ferait pas le petit rage Paquito là? Petit rage Paquito des familles. On sait jamais d'avoir un mot long. Est-ce que déjà on va avoir un éclair? C'est ça la vraie question. En ce moment, mine de rien, j'invoque vraiment beaucoup sur, sur SW2. Je me fais bien pisser dessus, mais je pense qu'au bout d'un moment, ça va tomber. Je pense que la roue va tourner. Elle va peut-être pas tourner ce soir. Elle tournera peut-être pas ce soir, mais elle tournera forcément un jour ou l'autre. Aïe, aïe, aïe. Ça craint quand même. Ça craint, ça craint. Tourne dans le vide la roue. Ouais, je crois que la roue tourne dans le vide. Je suis assez d'accord avec. C'est pas grave, hein. Un jour ou l'autre. Pour l'autre, j'y arriverai. Hein. Un jour, forcément, ça tombera. Tu peux pas invoque non-stop sans que ça tombe. Tu peux pas non plus avoir que des doublons tout le temps. Forcément, un jour ou l'autre, je me ferai régaler, tu vois. Mais c'est pour ça, faut pas espérer, en fait. C'est quand t'as de l'espoir que tu te fais mal, tu vois. Si t'attends rien, tranquille. Je fais un petit pack. Chaque fois que je prends un live, je fais un pack. Petit packito. Au bout d'un moment, on se fera régaler, forcément. Combattre trois fois avec le monstre. Giant. Let's go. On va prendre Carotier. Il y a un mec en arène, sa def c'est Nigong, Laima, Zeratu, Fermion. Parce que ce mec n'est pas un château de ouf. Alors soit c'est un château de ouf, soit c'est un mec qui paye beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tu fais comment pour refil aussi, t'as plus de cristaux? Bah c'est très simple, je ne refile pas. En fait, je joue plus à SW, je fais juste mes quêtes quotidiennes, les succès, les quêtes, les événements, mais je fais plus de refil en fait. Donc j'ai pas besoin de cristaux. Tant que le jeu ne m'aura pas donné les mobs débiles que tout le monde a, ils me permettront de step up en RTA, enfin du moins de pouvoir rivaliser avec tous les mecs qui ont tous les mobs du jeu, ça sert à rien que je joue. Parce qu'en fait, j'ai déjà mes god runages sur tous mes persos, et j'ai pas besoin d'avoir plus. Là, il me manque juste aujourd'hui le point limitant, le point bloquant du compte, c'est uniquement de choper des nouveaux monstres. Donc, bah, quel est le meilleur moyen de choper des nouveaux monstres? C'est pas de faire des refills, c'est d'invoque. Donc j'invoque. Simplement. C'est aussi simple. Salut Shen. Non, j'ai. Le dernier Nat 5 que j'ai eu, c'est un doublon Kumar. Dans mes trois derniers Nat 5, il y a deux doublons. Shaina, elle est pas au courant du désavantage élémentaire. C'est exactement ça. Shaina, c'est n'importe quoi. C'est ce mob est complètement pété de ouf. J'aimerais bien un Durant.
Bon, demain, on a un petit dévilement. Ça, par contre, ça régale. Yo, Rafsing. Ça régale vraiment le petit dévilement parce que du coup, je vais pouvoir continuer de skill up ma Amelia. C'est plutôt cool. Non, achetez pas de pack, les gars. C'est pas worth. Vous avez vu, j'ai même pas eu un éclair. Dire si ça sert à rien. Vaut mieux refil. Ça donne quoi la RTA? J'ai aucune idée. Ça fait longtemps que je fais plus de RTA de manière soutenue. Donc je sais pas. Ah, j'avais oublié qu'on peut. C'est vraiment pratique ce bouton tout envoyé. Je suis content qu'ils y aient enfin pensé au bout de 4 ans à améliorer un peu l'ergonomie de leur jeu. Et... ils auront mis le temps, hein, mais peut-être que d'ici 50 ans, on aura peut-être tous les le jeux de manière opti. Tout ce qu'on demande depuis des années, ils le feront peut-être. Tout cool. Par contre, je me suis fait niquer parce que le World Boss, je l'ai que dans 1h14. Et 100%, je vais oublier de le faire. On l'arrête R en mode chill maintenant et je suis mid G1, c'est bien ça. Ouais, bah je fais un peu pareil, sauf que je le fais en C3. C'est d'autant plus marrant. Mais une alarme, c'est fini. Il est fini, il est loin le temps où je tryhardais ce jeu. Maintenant, c'est vraiment. Si je peux, je fais. Si je peux pas, je fais pas et tant pis. Et de toute manière, dans 1h14, on sera toujours en live, donc normalement, on devrait pouvoir le faire. Je vois des gros capzones là dans ma liste. Aïe. Yip. Ouais, je suis d'accord. Alors, je pense qu'on commence un peu à s'inquiéter pour l'avenir du jeu. Et c'est pas plus mal, ça leur met un bon petit coup de pression et au moins si ça peut leur permettre de se bouger le cul et que ça apporte à SW, ben c'est tout bénef. Hein. Bénef. Ils sont obligés de le connaître, Skrix. Comme toute entreprise qui se respecte, ils sont obligés de faire de temps en temps des études de marché. Et donc ils se rendent bien compte qu'ils sont en train de. Enfin, qu'il y a d'autres jeux du même type qui est en train de prendre des parts de marché, donc ils vont forcément le voir. Et même au-delà de ça, étant donné que nous on est la plus grosse commu française et européenne, et qu'on est en lien direct avec les CM de Come2Us. On leur remonte justement, ils savent très bien qu'on joue à d'autres jeux, dont MMEG, et donc ils l'ont fait remonter également, donc forcément ils sont au courant. Mais de toute manière, peu importe ce qui se passe en fait dans un jeu ou dans l'autre, vu que personnellement je joue aux deux. Bah, je suis forcément gagnant en fait. S'ils améliorent des choses sur SW, peut-être que je reviendrai jouer de manière soutenue sur SW, donc ça sera tout bénef. S'ils ne font rien, bah ça changera pas que j'y jouerai quand même en fait. En soi, pour moi, peu importe l'upgrade, je prends quoi. Que ce soit sur un des jeux ou l'autre, je m'en fous. D'ailleurs, c'est vrai que l'amélioration des loots en Kairos,
On le sent vraiment passer. Pour le coup, ils se sont pas foutus de notre gueule. Je refile presque plus, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et pourtant, j'arrive quand même à garder des runes sur le peu d'énergie que je spend dans Kairos. Donc c'est vraiment qu'ils se sont pas foutus de notre gueule sur les taux. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui étaient, qui étaient découragés, démoralisés de farmer leur Kairos et de jamais rien avoir. Et là, je pense que ça va remotiver les mid-game, early late-game, à farmer leur Kairos correctement pour avoir des bonnes runes. Ouais, de toute manière, Zonkt, je suis d'accord avec toi, entre guillemets, ça m'arrive, enfin, vous allez m'entendre critiquer SW, ce qui est normal, mais je crache pas sur le jeu, c'est-à-dire que c'est un jeu sur lequel j'ai passé 4 ans de ma vie, que je continue à jouer et que j'apprécie, même s'il y a des défauts. J'apprécie quand même le jeu, sinon je le streamerai pas et j'y jouerai pas. Mais de toute manière, moi, étant donné que je joue aux deux jeux de manière soutenue, c'est forcément que j'aime l'un et l'autre. Et évidemment qu'il y a des avantages dans l'un que je retrouve pas dans l'autre, et vice-versa en fait. Choper où ça cet après-midi? Ça se joue bien en Def Arena. Ça se joue surtout en RTA en fait. C'est un très très bon mob de RTA. Et un très très bon mob de Guild War Offense. Mais c'est plus un mob d'offense que de défense, je trouve. Putain, en ce moment j'arrête pas de choper des god runes, donc c'est pour ça que je vous dis ça. Moi j'ai. Ça fait 3 runes que je garde qui proc à 18 de speed plus. Alors qu'avant j'en avais une tous les 3 mois. Et prends le double retour des psamat là. Ah. Ça full team one shot. Par contre, je vais prendre le retour de son psamat et ça c'est chiant. Okay. J'adore cette team. Au contraire, Tioko. Personnellement, je crache pas. Enfin, je crois pas avoir craché sur SW. Ou alors, c'est que t'as mal compris mes propos. Comme je disais, je critique SW sur certains points, mais ça m'empêche pas d'y jouer. Si j'appréciais pas le jeu, j'y jouerais pas. Et par contre, je pense que tu te trompes parce que, effectivement, MMEG est en train de vraiment percer. J'ai pas dit que ça allait être un god jeu, j'ai pas dit que ça allait perdurer pendant 4 ans comme SW. Mais en tout cas, il y a de très gros joueurs qui y jouent, il y a une énorme communauté, il y a beaucoup de viewers qui suivent les lives MMEG, donc forcément, ça, tout ça fait que ça aura un impact. Dans quelle mesure, c'est impossible de le dire maintenant, c'est pour ça que les débats MMEG vs SW, pour moi, sont stériles. Mais en tout cas, on ne peut nier que le jeu est très présent et prend et va prendre une grosse part du marché. Après, advienne que pourra. Hein. De toute manière, pour moi, il n'y a pas de choix à faire en fait. Si t'aimes SW, tu joues SW. Si t'aimes pas MMEG, bah tu joues pas MMEG. Mais enfin, je veux dire, chacun est libre de faire ce qu'il veut en fait. Et si t'aimes les deux comme moi, bah tu joues aux deux et tu peux parler des deux puisque tu joues aux deux, donc je vois pas où il y a, enfin en fait je vois pas où sont les problèmes quoi. Pour moi y a pas de souci quoi. Tu peux très bien aimer un jeu et pas l'autre. Tout le monde n'est pas obligé d'aimer les mêmes jeux.
C'est pour ça que tu remarqueras, Skrix, que quand je fais des lives SW, tu ne verras jamais répondre à une question orientée MMEG. Parce que justement, on est sur un live SW et pas sur un live MMEG. Salut Tuxon, comment tu vas? Grave de runes. Ça fait longtemps que j'ai pas sorti de belles runes avec un craft. J'aimerais bien avoir Garou dans cet event. Ça me plairait beaucoup en vrai. J'avoue que c'est un 4 nat que je n'ai pas et qui m'aiderait beaucoup en siège et que j'ai envie de jouer en siège. J'espère pouvoir aller le chercher avant la fin de l'event. Villemont Orion, non, je dirais que non. Je pense pas. Moi, je le ferai pas en tout cas. Ouais, j'ai trop la flemme d'attendre, enfin, d'économiser les pierres. Surtout qu'en plus, j'en ai pas beaucoup maintenant que je suis en guild de farm. Donc, même si j'économise, j'aurai peut-être quoi, 4 invoques. Je les invoque vraiment au fur et à mesure. La flemme d'attendre. Deux chakrams ou deux boomerangs pour speed DB10. Moi je mettrais une boomerang et deux chakrams. Enfin, un peu ce que j'ai moi en fait. Et après, suivant ton niveau, tu mets un galion inverdé ou tu mets un galion et autre chose. Waouh, ça m'a pété les oreilles. Putain, c'est quoi ce truc là? Voyez un cheer de n'importe quel montant pour obtenir des emoticons football. Merci Tuxen pour tes cheers. Par contre, l'alerte follow, elle est telle. Enfin, l'alerte follow, l'alerte cheer, elle est tellement forte dans mes oreilles là. Il va falloir que je regarde ça. Bien et toi? Ça va très bien. Que penses-tu de la boomerang vent? Je pensais à un runage bien nuker comme la haut, tu en penses quoi? Alors, je me rappelle jamais si c'est la boomerang vent ou la chakram vent qui passe à travers les boucliers. Genre de Rina, de Katarina, etc. Je me rappelle jamais en fait. On va aller voir ça. Zenobia. Attaque et étourdit l'ennemi. Rond d'un tour. Ok. Non, c'est pas celle-là. Ouais, mais de toute façon, toutes les boomerangs, tu peux les mettre en mode nuker. Pour moi, tu les joues toutes en mode nuker, ça passe. Pour moi, tu peux pas te tromper tant que tu mets du violent sur ta chakram ou sur ta boomerang. Et après, bah, soit tu mets vitesse dégâts crit attaque, soit tu mets attaque dégâts crit attaque. Moi, elles sont toutes les trois en attaque dégâts crit attaque. Et comme tu le vois, bah, ça marche super bien. Même si elles ont pas beaucoup de speed, ça fait le café. Moi perso, j'espère choper Galion pour les 24 nats, mais pour... Aïe aïe aïe, good luck Revax.
Earth Day. C'est quoi ce truc là, Ragnar? Là, vous avez des emotes trop chelous. Pas comment vous. Hey! Si j'ai des emotes. Ah non, j'ai. J'utilise déjà les deux hauts, mais je type Shaina dans les. Ouais, Shaina c'est trop. Shaina c'est OP as fuck. Mais tout le monde a. Oh, c'est quoi toutes vos icônes là? Red Foot. First. Komodo. Ça se joue les jumelles en R5? Pour moi, non. De Shaina, ça se joue. Pourquoi pas? Tant que t'as une boomerang pour aller avec. La gifle. Choper Shaina dans le Wish et Sabrina avec Livon Kappa. Ah bah, tu t'es mis, Esco. Pas mal là. Plus j'ai rename il y a pas long. Il doit pas me reconnaître. C'est qui, Revax? C'était quoi ton ancien pseudo? Salut Sifioré, comment tu vas? Super Kiwi. On peut se servir de Shaina seul pour remplacer WoW ou pas? Ouais, mais c'est toujours mieux de la remplacer. Enfin, c'est toujours mieux de la jouer en. Les news de Lutti, plus de nouvelles concernant ce panda. Alors, personnellement, non, je n'ai aucune nouvelle de Lutti. Après, peut-être que certains autres membres du staff en ont. C'est pour. En fait, moi, quand je suis rentré dans la team SWFR, Lutti était déjà parti. Venait à peine de partir. C'est simple, quand je suis arrivé dans la team, il y avait deux départs. Il y avait Sweet Flyzen, qui était le jour même de mon arrivée. Et il y avait celui de Lutti, qui était, je crois, la semaine d'avant. Donc, en fait, c'est deux personnes que je connaissais en tant que viewer. Mais dès que je suis passé streamer, je les ai. Bah, je les ai pas connus. Dit tu m'as vite fait. Bah j'ai juste fait un petit rush paquito, mais j'ai même pas eu d'étincelle, donc. Tu n'as rien loupé. Or si j'ai Shaina, je devais snipe WoW ou Lisa. Bah je pense que si t'as Shaina, il vaut mieux snipe Lisa. Honnêtement. Même si WoW est très utile dans pas mal d'aspects du jeu, je pense qu'elle se fera surclasser par les sisters de partout. Non, tu me fais ma semaine vite fait. Ah oui, bien sûr. Ouais, ouais, bien sûr, Sifioré. Dis-moi juste. Envoie-moi juste en MP tes logs. Et puis on va faire ta semaine. Tu me donnes ta wishlist, tu me dis ce qu'il y a à invoquer. J'imagine que t'es sur Europe. Ça marche, on va pas sur sans soucis. Ouais ouais hein, les gens, n'hésitez pas. Hein. Si vous avez des summons à faire, des crafts de runes, on peut les faire en live sans aucun souci. J'adore summon, j'adore crafter, donc c'est toujours un plaisir. Ça pour. Surtout que je peux pas le faire sur mon compte. Donc. Arrange-le. Ça me plaît d'autant plus. J'ai Lucien et Galion, je focus qui voit. Ouah, Verdeil, enfin, ce genre de choses. C'est fini. Prendre vélin, un leg, un light and dark, pas les pierres. Ok, ça marche. Je prépare tout ça. Est-ce que tu as une wishlist en particulier? Même s'il n'y a pas grand chose à la semaine, on sait jamais. Peut-être que tu auras plus de chance que
Finalement, Arta au 90, ça saute aussi. Ouais, ouais, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Pour la wishlist, Bastet toujours. Ah, d'accord, toujours la petite Bastet. Ah, vas-y, let's go. Oh non, je me suis trompé. Ah non, c'est bon. Putain, j'ai eu peur. J'ai eu très peur. Ou okay, si. Pas sur Nox. Aïe, c'est GG la Delphoi. Ah, ok. Ok. Qu'est-ce que t'as eu comme ruine? Pas tip top, hein, cette rue. Prolounet dégueulasse. Oh, t'es tellement riche. Peut-être qu'on va avoir Bastet dans le Wish. Ça serait tellement beau. Tu as fait ta TOA. Moi, j'ai fait ma TOA et ma TOA Hard hier en stream. Enfin, j'ai fait les derniers étages en stream. Oh, on a failli avoir 150 cristaux. Ça aurait été tellement beau. Donc, t'as pas la même chance. Grave des rues. J'avoue. Alors, qu'est-ce que t'as? Je me rappelle même plus ce que. Ah oui, si, je me rappelle. Je me souviens maintenant. Je vais monter mes runes encore. D'accord. Est-ce que tu me ferais pas un petit don d'un panda? Ouais, je suis un mec gentil, non? Tu pourrais me donner ton panda. Ça me ferait tellement plaisir. Putain. J'ai l'impression que tout le monde l'a, ce panda. C'est fou, hein. Il est tellement stylé en plus. Putain. Tellement beau. Non, toujours pas. Mince. Tu sais que je vais essayer de la... Je vais essayer tout le temps, par tous les moyens, de l'avoir. Je demanderai, tant que j'existerai encore, sur Twitch, je te le demanderai tous les jours. Allez, allez. Bon, allez, c'est parti. Je veux sniper qui dans les pierres? Avec son gros beat. Ouais. J'aimerais bien l'avoir. Ouais. Ok, ok. Allez, est-ce qu'on peut avoir des petites selles? Nice. Bien de demander. Allez. Oh mon dieu. Moi que c'est pas un doublon. Ah, vu ta réaction, ça m'a l'air d'être ok tiers. Aïe 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 aïe. Est-ce qu'on serait pas beaucoup trop chaud ce soir, les amis? Est-ce qu'on serait pas beaucoup trop chaud? C'est un excellent monstre, Lagmaron, parce qu'en fait, tu peux le jouer à la fois en PvE et à la fois en PvP. C'est vraiment très très fort comme mob. Bon, bah, je suis content pour toi. Je crois que la petite régalade est en cours. Et attends, c'est pas fini. Je sais pas, je sens qu'il va y avoir autre chose qui va se passer sur le compte. Je me souviens que la dernière semaine, elle n'était pas comme ça. Attention, encore des étincelles. Plus chaud que sur ton compte. Ouais, mais ça me fait plaisir. Un jour, tu seras chaud pour craft 300 runes. Ouais, sans souci, Cryo. Faudra juste qu'on prépare ça avant, c'est-à-dire savoir quel type de runes tu veux et surtout les prérequis que tu attends des runes. Parce que 300, il va falloir aller assez vite, entre guillemets, et il va falloir que je sache si je vends, si je garde, si je vends, si je garde. Parce que 300, ça fait beaucoup quand même dans l'inventaire. Salut, Paladin. Allez, encore des étincelles. Petit samouraï. Là, je suis content. Ça m'a
Alors, elle m'a mis tout. Oh, encore des éclairs. Petit Barretta. Ça marche, Cryo. Tu m'étonnes. Je suis content pour toi aussi. Clairement. Aïe, encore des éclairs. Non. C'est quel genre de non-chat ça? MDR quoi. Oh la probabilité. Les gars, il a 30 vélins. 30 vélins, on chope 2 lagmarons. Je suis pas dans. C'est ouf quand même, non? Je suis choqué. Deux lagmarons, please. Pouah. T'as raison, il y a encore un truc qui s'est passé sur le compte. C'est des bâtards quand même. Oh, dur. C'est un truc de ouf. Deux lagmarons, mais donne-moi-en un en fait. Wow. En vrai, c'est chaud. Ah, pas d'éclair sur Light and Dark. Ah, un Mantura, c'est pas. Pas dégueu. Un petit sus anneau. What the fuck? Wow. Je suis obligé, je vais prendre un screenshot pour Twitter et je vais faire le putaclic. Non mais c'est incroyable quand même. Je suis à moitié pardonné. C'est vrai, tu m'en veux d'avoir eu... C'est incroyable quand même. C'est un truc de ouf. C'est un truc de malade. Hein. C'est une probabilité. Wow. Salut Trimiel, ça va et toi? Bon, bah je te rends ton compte. Merde. Merci pour la petite semaine. Désolé pour le doublon. Du coup, Lagma se joue où? Bah, tu peux jouer double Lagma en géant par exemple. Wow. Ah, c'est vrai que j'aurais pu avoir Taor ou Rakan. De toute façon, Tatian Lang, tu vas pas nous souder. J'avoue. Aïe. C'est terrible. Incroyable. Take it easy, take it slow. We can do it just like before. So take it easy, take it.
Je sais pas, Kito, c'est pas un DJ des années 2000. J'en ai aucune idée, mec. Salut Vix, comment tu vas? Tu vas dépop le boss avec de l'agma. Bah, t'imagines si tu lui mets deux. Comment ça s'appelle? Deux bourrasques, je crois que c'est ça son skill 2. Tu lui mets deux bourrasques, il est mort. Hein. 40k, 40k et hop. Même plus, hein, je crois que ça monte plus que ça. Fous de l'agma dans l'agma. En vrai, moi je les garderais, je les foudrais pas. Enfin, je les foudrais pas l'un sur l'autre du moins. Je peux avoir un compte shit en arène. À la place de jouer double Lucian, tu joues double Bourrasque, le Lagmaron. Ou t'en mets un en. En vrai, moi j'en mettrais un en Nuker et un en Despair. En mode un peu Bruiser Control. Parce que mine de rien, ça stun hein, Lagmaron sur son 3. Donc si tu augmentes les chances avec un Despair, tu peux jouer un Lagmaron. Ça peut être marrant un Lagmaron qui fout Despair. Moi ça m'a rendu triste à partir de mon troisième Psamath. Ah ouais, troisième. Trois Psamath, c'est ça fait mal au cul. Quoi. On va se le cacher. C'est un poil ou mal au cul. Bon, let's go. Ça sur la on partir de là. Joue quand même, je stack 3 nats 4 feux, mais aucun avec 6 rolls. Ah ouais. Ça c'est compliqué. Moi j'aimerais bien avoir mon petit garrot là, ça me mettrait joie en vrai. Ça me ferait kiffer d'avoir mon petit garrot sur l'event. Du coup, je skill up pas les deux. Non, non, en vrai, tu skill up. Non, skill up qu'un seul. Le deuxième, je mets de côté. On va essayer de jouer Amelia. On va essayer de changer un peu de compo. Et de jouer. De jouer Amelia, ce genre de truc. Alors, qui c'est que je vais jouer? Jouer Bastet. Ah non, j'aurais dû jouer Velajuel. Et ouais, je suis con. Amelia. Oh non. J'aurais dû jouer Bastet, Velajuel, Amelia et deux mobs qui tapent. Je l'ai passé en wheel, c'est juste pour pouvoir la tester un peu en RTA, mais elle est pas montée. Merde, il a deux. Psamath. Ouais, je jouerai Psamath après. En fait, je sais pas trop encore quelle compo je peux faire avec ma. Ah,
Ah, il veut la tuer directement. Mais merde, j'ai pris Bagdad. Ouais, j'ai perdu du coup. Bon, faut que je trouve une compo pour la jouer parce que là c'est pas fou. Pas ce moment. Pas du tout quoi, putain. Ouais. Je sais pas avec quoi la. J'sais pas avec quoi la jouer en fait. Alors faut la jouer avec max menace. Je sais pas. Peut-être que je vire mon Okeanos. Faut que je mette un soin. On va essayer autre chose. Ah putain, je voulais jouer Bellajuel, casse-le. Trevor over Logan. Et on est fine. Thanos a fait ce qu'il avait à faire. Pourquoi il s'acharne sur Mokanos, c'est clairement pas la menace. Mais bon, tant mieux pour moi. Ah, elle tour sup tout le temps cette pute, hein. Incroyable, hein. Ah, j'ai eu aucun freeze. Je vais pas arriver à gagner, hein. Putain. Ça parce qu'il tour sub deux fois avec sa Syrah. Fuck hein.
Monter de Sarion, il est comme ça. Bon, est-ce que je peux jouer ce que je veux jouer? Je voulais tester quoi? Je voulais tester Vela. Vela Amelia, je voulais tester. Vela Amelia, je vais mettre un soin. Donc, ça. Ça. Parfait. Ça joue ça. Et ça. Baisse sa mère. Cette compo, je pense qu'elle est extrêmement forte. J'ai du sustain, j'ai double immune. Et un oblivion. S'il remet un mob à oblivion, il est trop cool. Je pense qu'on est pas mal là. Je pense qu'il peut legit rien se passer normalement. Sauf si je me fais tuer mon Amelia en fait. On va tester. Le wish, putain, t'es bien. Ah merde, c'est vrai que... ah mais là, il est BZ parce que dans tous les cas... je peux rien faire parce que de toute façon, ma Amelia va clean... Ah, oh, sauf si il proc. C'est moche. Va clean C. Pouf. On va se soin. On va faire la magie de Rika. Ok. Ça, ça fait quoi? La clean et gel. Vas-y, moi je. Oh, j'ai pas gelé, nul. Nul sur 20. Mettre le BDF. Alors. Je peux rien faire. Normalement, pas faire grand chose. C'est quoi ce tweet prank de... Me mets au putaclic. Est-ce que ça serait pas notre première victoire avec Amelia? Je pense que la compo que j'ai sortie, elle est extrêmement forte. Mais pas contre n'importe quoi. Pourquoi il y a des mecs qui se mettent à poil sur leur photo? Elle est pas mal hein, cette compo, je pense. On va essayer de la rejouer. Merde, là il a un stripper, c'est chiant. Pas mettre Rika, il va me falloir un hop qui passe mal. Oh. Faire ça. Faire ça. Merde. Camille, c'est chiant. Je vais laisser Verad, je vais retirer Camille, je pense. Camille, je peux pas la gérer avec mon Tetsarion. Salut Sous. Comment tu vas? Faire ça. Faire ça. Faut être solide là. Mettre de la défense. Comme ça, elles seront intuables. Et je vais essayer d'éclater le panda en premier. Non, ça se donne rien. Ah, merde. Merde, sa Hathor est trop lente. Je suis dans la merde là. En vrai.
fuck. Je crois que j'ai perdu. Pas avoir un petit proc violent là. C'est chiant. Oh, elle est en kido. Le batteur. Ok. Tenter un petit truc comme ça. En fait, c'est la Praha qui me fait chier qu'il faut que je bute. Ah merde, c'est vrai que ça clinche pas. Oh, je l'ai stoppé. Faudrait que je me réveille en fait. Je sais pas si c'est une bonne chose de rester en forme humaine tout le temps comme ça. Je peux pas geler un peu là. Après, je manque de skill up, hein, mais bon. Putain. Je pense que je vais perdre en fait. Surtout s'il rejoue. Je peux avoir un proc moi. Ce soin. Je la trouve un peu bancale la compo là. Allez, proc. Nice. Les BDF. Nice. Ok, il va être obligé de soin. Ah, il soigne pas. Oh, le thug. Ok. Ah, il veut pas être sleep lui. Ok. Le panda va me solo en fait, c'est ça que je veux. Putain, mais il fait que tour subs, fils de pute de merde. Hein. Putain, c'est trop yanche. Bon, tu veux que je gagne si le mec fait que full. Nice. Proc. Rage, proc. Allez mon petit chaud, je veux un proc. Nice. Encore. Cube-moi cette merde. Nice. Oh, c'est tendu as fuck. Hein. Donc je me débarrasse du panda en fait. C'est de l'oblivion. Proc. Débarrasser du tout. Proc. Oh, je les défonce. Oh, pas toi. Nice. Allez. Nice. Putain, j'en ai chié ma race. Hein. C'était tendu hein, quand même. Hein. C'était un poil tendu. Ok, encore deux wins. Encore deux wins et on peut faire une petite invoque. Oh, c'est le même. On va complètement changer de technique. On va faire tac. Oh, on tente le Lucien. Let's go.
Merde. Je crois que j'ai perdu. Putain, il m'a ban Mushen, l'enculé. Après, avec un clutch stun de Psamat. Nice. On a eu le reset, c'est déjà pas mal. Je vais pas faire mon AoE tout de suite. Je vais tenter le stun, parfait. Non, il proc, enculé. Et je vais attendre de pouvoir... Je vais essayer de BDF en fait. Je vais essayer de BDF into la web Psamat. Ok. Ça te donne... Ah, arrête de proc là. Merde, elle a résistance la pute. Putain, si elle avait pas résistance, j'avais gagné instant. Et là, je vais me faire rec parce qu'elle a résistance. Putain, ça me casse les burnes. Hein. Ah. Putain, si elle avait pas résistance, sa pute d'occult girl de merde là, je l'aurais BZ là, 100%. Bon, Kianos qui fait pas le taf là. PD là. Il était à ma portée là. Si jamais je resetais sa navelle, il pouvait rien faire derrière. Dommage. Non, c'est sur le compte d'un viewer, Jojo. Ok. Qu'est-ce qu'on va jouer là? Je vais virer son roussa de merde. Ah, il jouait. Précisément, c'est vrai. C'est vrai. Salut Rageur, comment tu vas? Attends, il baisse sur Skylander Zébar. Nice, je suis content que ça te plaise. Bon visionnage à toi. Est-ce que ma compo serait pas un peu puante de la, puante la merde là? Ok, elle pue un peu du cul ma compo là. Stun. Nice, il a stun le Vérad. Non. Oh, elle est en contre. Okay. Poum. Okay, il s'attaque à mon Rakuni, c'est pas une bonne idée pour lui. Je sais pas encore. On lui défonçait son Vérad. Ok.
Ma Tiana fait des vrais dégâts maintenant. Je l'ai ruiné. Plutôt content. On va strip tout ça avec Tiana normalement. Parfait. Les timings sont très bons pour moi là. On va tuer le singe-feu avant qu'il nous BZ. On va voir l'oblivion déjà. Étant. Ouais. Stun. Merde. Stun. Ok. Vérade va crever. Parfait. Ça prendra la tour sup. Merde, faut que j'arrête de taper sur le singe. Et revenge à chaque fois, c'est chiant. Je pense que j'ai gagné là. Hop, il peut pas se cleanse du coup. Nice. Et encore une win, c'est pas mal. Je résiste pour pas jouer, mais j'ai déjà SWMM. Ouais, bah tu m'étonnes, c'est pareil pour moi. C'est pour ça que je vais jouer en mode casu, je pense. Là, moi, ça fait plusieurs FRR que mon. Il stagne un peu, mais c'est normal parce que j'ai déjà mes vrais. Enfin, j'ai déjà mes belles runes. De partout sur mes mobs et au final maintenant j'ai plus vraiment de grosses runes à changer. First pick Perna, d'accord, intéressant. C'est quoi ces deux te fait chier les noms? Je m'amuse. On va m'amuser. Bon courage Herbie. C'est qu'on banne. Rakuni va être chiant. Y a pas d'immune. Par contre, ça Iris peut faire chier, mais bon. Reset qui reset sa basse tête. Ah, GG, c'est délicat. Il a du will. Ouais, il a du will. Bah, reset basse tête, parce que basse tête c'est très très chiant. Il faut que je m'occupe de. Il faut que je stun à tout prix sa. Ça Iris. Ah merde, il est. Aïe aïe aïe, j'ai stun. C'est cool. Bon, il est déco donc. Si je perds, il est déco. Je... C'est possible. Largement possible. Vous êtes les cooldowns. Sleep. Sleep. Les plus belles runes. Ouais, je pourrais. Je vais perdre ma rune.
Lagma passe en raid? Non, pas du tout. Merde! Je peux pas le prendre. Ok. J'avais oublié que j'avais déjà pris. Oh, elle s'en va. Ouais, sur un set destroy, j'en ai pas besoin, mais. Mes plus belles runes. Qu'est-ce que je fais de mon. En rune cœur, j'ai celle-là. Et celle-là. Au crit. Après, en rune speed. Celle-là qui a 26, celle-là qui. J'ai pas des énormes runes speed, bonnes runes. Celle-là qui a 26. Celle-là qui a 28. Celle-là qui a 25. Celle-là qui a 25. 5. Pas mal des. Celle-là qui a 25. Il y en a, je crois que. Donc voilà quoi, j'ai quelques petites sympatoches. Si en rune nuker, j'ai celle de mon Théo Mars, le slot 1, pas mal du tout. Avec une innate à 8%, elle est sympa celle-là. Voilà quoi. Bon, il nous reste une demi-heure. Je fais une petite demi-heure de farm tranquillement parce que là je commence à être fatigué. J'ai besoin de grinder la quête. Petit événement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'aimerais bien vraiment choper. Enfin, déjà, il faut que je clean cet event. Ça, c'est clair et net. Il faut quand même que j'aille chercher Light and Dark pour avoir mon Tianlang. Ah, dans 10 minutes on peut faire le world boss. Rappelez-moi de faire le world boss dans 10 minutes les gars. Thanks. Je stream que le week-end? Non du tout, je stream le mardi soir de 22 à minuit. Le vendredi soir de minuit à 2h. Le samedi soir de minuit à 2h. Et le dimanche soir de 22 à minuit. Et 4 créneaux de stream pour le moment sur SWFR. Et après, bah, je stream normalement quasiment tous les soirs sur ma chaîne perso. C'est tellement débile les dégâts qu'elles mettent. Quoi. Ça fait 45k. Ça fait que rejouer en plus. Comme tu étais en vacances, j'ai pas pu. Mal de stream, pas fait gaffe aux horaires.
Regardez que Ken, ça marche, ok. Et là, bah, semaine prochaine, je pars pendant un mois en vacances, donc du coup, je serai plus présent en stream. Mais j'essaierai d'être présent sur Twitter et sur les réseaux sociaux. Enfin, Twitter, quoi, du coup, parce que c'est le seul réseau que j'utilise. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je ferai pas de stream pendant un mois. Et quand je reviendrai, on repartira à fond les ballons. Et en stream perso, et en stream SW. Ça fera plaisir. Tu feras mes semaines avec des doublons. Bah, tu me les réserveras pour quand je rentrerai. GG la fatale. Gratz, gratz. Je suis serein, ouais, tu m'étonnes. Plus le temps passe, plus la SWFR meurt. Mais non, t'inquiète. La chaîne n'est pas prête de mourir, crois-moi. Tant qu'il y aura des streamers motivés sur la chaîne, la chaîne tournera et la chaîne vivra. Où tu reviens le 8 juillet à peu près? Non. Je reviens le 22 ou le 23 juillet. Donc il y aura des vélins, il y aura des summons, exactement. Tant qu'on aura des cristaux sur le compte, on fera des rage packs. Ça, meilleur truc à streamer les rage packs. Ça marche, merci Sifuré. Ouais, en vrai, si tu veux préparer une petite semaine pour mon retour, en Soussaï. Je vais où? Je vais en Guadeloupe. Me faire dorer la pilule. Wow. C'est fou de se dire qu'en 550 jours j'ai droit plus de Tiana que de Lucien. Oh. Ah, c'est clair. Que faire? Achat invalide? What the fuck? Bah, essaye de contacter le support. Malheureusement, il n'y a pas grand chose à faire dans ces cas-là. Chez moi? Comment ça chez moi? Ah, t'es de là-bas, t'es des Antilles. Pas de réponse depuis 2 semaines. Ouais, ils sont longs du cul. Essaye d'insister au pire. Nice. Je sais plus où c'est que c'est parti. Mes jumelles ou mes lagmas. Moi j'aurais dit les jumelles into lagmaron into Tiana. Tiana, t'as pas besoin qu'elle soit 6 star pour qu'elle fasse le café. T'as eu Ariel dans le vœu. Nice. Très bon monstre Ariel. Je l'ai. En double. C'est un très bon monstre.
Juno se joue partout ou spécial GVG? Juno, c'est plus en PVP. Tu vas la jouer. En RTA pour répondre au team control, par exemple. Et sinon, GVG peut-être en défense et encore. Et en offense, je sais même pas si ça se joue. Ouais, à part en RTA ou en défense d'arène, je pense que c'est très moyen ailleurs. Ariel, c'est only PVP. Essentiellement, ouais. Essentiellement. Donc c'est juste pour Théo Hard, c'est bien ça? Ouais, tout à fait. Ouais. Je crois même que c'est gardien du stockage, mais je suis pas sûr. Salut, je débute sur SW. Si tu as des astuces pour le début du jeu. Les astuces, c'est très simple. C'est tu vas sur YouTube et tu regardes toutes les vidéos qu'ont fait nos influenceurs, à savoir Mana, Junpei, Shizu. Et puis tu auras tous les conseils nécessaires pour bien débuter ton aventure SW. So j'ai skill up Myang avec. Aïe aïe. Ouais, petit café. Et GG, petit café pour ton loot. Pour l'autre jeu. Faire plaisir avec, je pense. Les gars, pour ceux qui me follow pas encore là sur mon Twitter, n'hésitez pas à lâcher un petit follow, comme ça vous serez au courant de mon actualité. En vrai, je tweete énormément. Et pareil sur ma chaîne YouTube. Et j'essaye de mettre pas mal de vidéos. N'hésitez pas à lâcher des follow. Ah, merci pour le sub, Anthony. Bienvenue à toi. Ouais, Jiraya aussi, il a fait des bons tutos, ouais, tout à fait. Ah, forcément, ça proc. Proc PV flat. On va quand même la tenter un peu. C'est jamais. Si ça proc 12 de speed, ça peut aller sur une Myang. Vu que je crois que ma Myang a pas des très très bonnes runes. Si ça proc PV flat. Ok. On verra, on verra. Ça peut être une rune average. Faudrait qu'elle proc PV pour 100 et res pour la jouer soit sur une deuxième Anavel, soit sur autre chose, soit sur une Myang.
pour ça faudrait qu'elle proc en fait. Je veux pas. Rez. Résistant. La quoi ma Miyang actuellement hein. Ah, elle a mieux hein. Ah, je l'ai pas ruiné lui. C'est qu'il y a besoin d'attaque comme ça aussi. Rune World Boss, ouais, possiblement. Ouais. On va essayer de voir ce qu'elle donne plus 12, mais ouais, je sais pas trop. On va rester une rune bien pourrable, je pense. Je joue depuis 4 ans. Les runes de mon Mantura, ouais. Par contre, sois pas choqué, il a des très très bonnes runes pour le perso que c'est. Je l'ai bien respecté. C'est un perso que je joue énormément. Et du coup, il est excessivement bien respecté sur mon compte. Allez, PV pour cent, on reste bons amis. PV pour cent, s'il te plaît. Fais pas ta pute. Refresh for... Ah, refresh for boss. Ah oui, bien vu, pardon. Excuse-moi. Mais merci les gars. Putain, heureusement que vous êtes là, j'avais déjà oublié. Allez, donne-moi des PV pour cent. Putain, mais... la rune pue la merde. Je le montre après le world boss. Pas triple S quoi. La loose. Hop. Je sais pas comment tu la vends pas. Ouais, moi aussi. Mais je pense que je vais la vendre. Très clairement. Allez, un petit dévilement là. On a eu quelques cristaux. Pour cette prix. La France Hollande. Bien vu, bien vu.
Bon, elle va bientôt passer 40 là, la petite chakram haut. Ouais, je suis sur global Neviroth. Le dévilement que je vais drop dans le donjon, je vais le mettre sur ma petite Amélia. Là en ce moment je suis en train de full skill mon Amélia et ensuite je reprendrai le full skill de ma Ophélia que je compte jouer en siège. Le set violent donné avec la fiente du Rhombos, faut lui mettre. Pas obligatoirement. Il peut, mais c'est pas obligé. En fait, en règle générale, on dit que si le set violent que tu mets n'est pas minimum à 150 de speed, et encore c'est un grand homme, il vaut mieux rester en Swift plutôt que de vouloir mettre du violent trop early. Ça c'est un problème que rencontrent pas mal de joueurs early, c'est qu'ils veulent tout de suite passer en runes violentes, alors qu'ils se rendent pas compte que les runes violentes vont nerfer leur compte si jamais elles sont pas assez bonnes en fait. Tout simplement parce que c'est une chance de proc les runes violentes. Que le Swift c'est de la vitesse flat, et la vitesse flat c'est pas random, c'est vraiment, c'est mathématique. C'est ce qui fait la différence entre le Swift et le violent, et c'est pour ça qu'il faut pas passer trop rapidement en violent. Ah mais si, on va refil avec les petits. On va refil avec les nouveaux trucs. Paf, paf. Et hop, 500 d'énergie, 20 d'énergie gratos. Ah, c'est comme le double name wheel. Le double name wheel, c'est extrêmement compliqué de sortir un set de name wheel viable. Parce qu'il faut vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de speed et de stats à côté. Parce que c'est pareil, si t'as masse speed sur ton le violon wheel, double nemesis wheel, mais que t'as tellement pas de vie que ton mob il se fait one shot, bah, si tu te fais one shot, tu proc pas ton nemesis en fait. Donc tu cut pas. Ça sert à rien. Salut Artamiel, ça va très bien et toi? Ah, j'ai une de ces dalles là, je vais aller grailler après le stream là. Je vais me faire une petite Red Bull into fromage et pain, ça va être fabuleux. Je t'en prie. Salut Wiz. Putain, j'ai trop la dalle. Non, je vais pas wipe quand même. Je crois que c'est une des premières fois que je wipe avec cette team. Oh. J'ai pas passé loin en plus. Un petit proc. Et c'était la win. Mais non, dommage. Ni psychique.
Start a perdu, genre ça doit arriver. Pas sur 1000 runs ça. Ouais, clairement. Ouais. Je te dis, depuis que je joue cette team là, c'est la première fois que je perds. Je les avais jamais vus perdre. Elles m'ont déçu. Déçu par sa propre famille, c'est triste. Et ok. Mais là, combien tout ça là? Putain, c'est tellement long de faire ces merdes là. Putain. C'est long hein, pour l'avoir ce El Charion. Hein. J'ai hâte de voir ce qu'il fait vraiment. J'ai envie de jouer ma pirette. Pas besoin de boost. On se casse qu'il a. Ça, c'est de la tianate complète. Je sais que j'avais des meules à mettre, mais je sais plus sur qui. Ça, c'est terrible. Pourquoi maintenant vampire? Bon. Très bonne question. C'est un mob que j'utilise plus. Hein. Juste des runes comme ça. Hein, pour... Là, elle est belle en vrai. Hein. Pas mal cette petite rune là. Non, c'est des runes World Boss, juste pour que ce soit runé quoi. Simplement. Faudrait qu'elle proc quoi, de la def.
on saura jamais ce qu'elle va donner. Pouah. Quelle rune de merde. Je vais remettre un petit peu. Pas des mobs qui sont. Et qui sont. Ça, ça se joue. Je vais me faire outspeed. J'aime trop ce mob. Non, sérieusement, il manque une at. Ah bah non, je l'ai. Bon allez, dernier petit RTA là, et après on déco. Je sais pas ce qu'on va jouer, mais on va le jouer. Aïe aïe aïe, un C2. Qui veut jouer Speedy? C'est parti. On tente le Lucien, les gars. C'est Lucien ou rien. C'est peut-être rien en fait. Je vais me retrouver sans lui. C'est le mauvais bait de faire ça. S'il va me ban Lucien, je vais me retrouver avec cette team là, je vais rien pouvoir faire. Oh le bâtard. Ah ouais, on en est là quoi. Les mecs, ils ont Yung Hong en C2. Quoi. Très bien. C'était cool ça, sûr. Je vais perdre. Fuck me. Ouais, j'aurais dû prendre Ricard. Mais de toute façon, même s'il me banne, ça changeait rien. Non, faut que je trouve une autre compo pour jouer. Que même quand il me banne Lucien, en fait, il me faut que deux supports. Il faut pas que je mette trois supports. Trois supports, c'est beaucoup. Hop, regardez. On va faire ça, ça. Non, toi, bon. Ah, je voulais jouer trop smart, genre je voulais mettre ça avant de faire la WOD ça mate là. Ouah, les non dégâts. Ah, oh, il proc, sérieux. Écoute. Putain, et il proc encore, fils de pute de merde là. Putain, c'est déjà pas assez compliqué comme ça la compo de merde que je joue là. Ouais, et bien pour speed DB, ouais. Pas mal. Bon, j'ai perdu, ok. Putain, le mec a trop de chat quoi, il est full proc. PD là. Bon, attends, on va reprendre. Il faut que je joue que deux supports en fait. J'ai pas le choix. Ah, le même. On va jouer Rika en dernier. Ça, on va le ZZ.
En fait, faut que je vire Bastet, faut que je joue Samat Tiana. Je fasse ça. La même compo, mais avec Tiana à la place de Bastet. C'est ça qu'il faut que je... Ça, cette compo, elle marche. Fuck me. Putain, j'ai encore perdu là, ça me saoule. Fallait que je joue Tiana là, je suis trop un mongol en fait. Si je jouais Tiana, c'était fini, je pouvais le strip et après je l'enchaînais sa mère. Vas-y, mais ce fils de pute il proc tout le temps. Oh, deux combats de suite qui proc avec son putain de Théo de merde. Bon, il me faut la même compo mais avec Bastet, Tiana. Non, Galion, ça marche pas, c'est de la merde, Galion. Il faut des boosters ATB, en fait. Mais, c'est incroyable! Putain, mais nique ta mère! Je veux jouer ma compo, là. Casse-toi de là. Putain, mais il y a quelle probabilité que les mecs, ils piquent mon... Samat, là. Je veux cleave un mec là. Laissez-moi cleave un noble. Hop. Du duel. Le mec, t'es naze. Aïe aïe aïe. Ça juge. En vrai, sa compo, elle est horrible. Je sais même pas si je peux jouer Rika là-dessus. Oh. Je suis obligé de kick ragdoll. Ça, c'est une certitude. On va essayer. Hein. En tout cas, un bon niveau en C1 et en C2. Hein. En C2, tu joues des Yung Hong et en C1, tu joues des Ragdoll. Putain, les mecs, ils sont chauds patates. Hein. Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce que vous pensez qu'on peut le faire? Un peu la merde ce que je fais là, non? J'aurais peut-être dû commencer par le stun en fait. Je vais pas y arriver, hein. C'est des HOH la base. Bon, j'arrive pas à cleave. Ça marche plus les cleave. Déjà, si j'avais mis Konamia, ça aurait peut-être un peu mieux. Oh. Et on qui stun. Est-ce qu'on peut cleave avec autre chose? Je vais mettre des mobs qui ignorent def. Je sais ce que je vais faire. Je vais la jouer autrement. Je vais faire ça, ça. 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 Que ça marche ça. Même kick lui et je suis pas mal là, non? Elle est pas mal cette compo, non? Du BZ lui. Ah putain, bien vu. Putain, il a fait le bon bat. Mais ils sont trop forts en fait les gens en C1, C2, C3 là.
C'est des génies en fait. Ils font chaque fois les bons bans. Ils sont pas drôles. Puis quand les gens ils savent jouer? What the fuck? Est-ce que je la outspeed quand même ou pas? En vrai c'est ultra smart ce qu'il a fait. Hein. C'est exactement ce qu'il fallait faire. Il pouvait pas mieux jouer. Genre legit. Hein. Est-ce que je peux lui tuer quelque chose? Bah non, j'ai pas de buff def. Oh. Qu'est-ce que je peux faire là? Je le tue, vous pensez? Je le tue quand même. Hein. Bon, je sais pas trop comment je vais me démerder pour le reste. Oh. Oh, la basse tête qui proc, quoi. Please. C'est trop dur. Trop dur. Les mecs sont trop forts, en fait. Les mecs sont beaucoup trop chauds, en fait. Ah, on est censé un. En C1, je devrais pouvoir passer cette team, quand même. Putain, voilà, un F3. Je ne dis pas qu'ils savent piquer ban à ce Elo, là. Et qu'il a Molomps Perna, c'est comme. C'est impossible de cleave. Ouais, bah, je crois bien. Hein. C'est bien ce que je suis en train de constater. J'en arrive à la même conclusion que toi. C'est extrêmement compliqué de cleave maintenant. Les gens savent trop bien jouer en fait contre les cleaves de comp. Je pense qu'ils en ont tellement bouffé dans la gueule en S1, S2, S3 que du coup maintenant ils ont tous tryhard leur mère genre de team et tout le monde sait jouer. Vas-y go me snipe. Putain mais regarde ça, encore un qui fait le bon ban. Chaud. Bon est-ce que je peux le tuer par contre? Si je bzbz son. Si je bz son. Son garrot, ça passe non? Donc il restera le Molong. On va voir en fonction des resets. Merde, j'ai rien reset, je crois. Je crois que ça passe. Oh fuck. Putain, il stun en plus. Putain, mais c'est pas fun leur compo là. C'est tellement pas fun. Et où le lose là-dedans là? Même en F3 les mecs ils ont tous les mobs du monde. Regarde-moi ces gros tryharders là. Laisse-moi te cliff ta mère là. Putain. Aïe aïe aïe. Putain, ils sont trop chauds les gars. Ne rage pas, t'inquiète. Jax. Le jour où tu me verras rager. T'auras tellement peur que t'iras te planquer sous les jupes de ta maman. Crois-moi que c'est pas de la rage. Bon, est-ce que je peux en passer une quand même? Trop basé sur les mobs, la RTA flemme. Ouais, bah après, c'est. Enfin. Il faut quand même un mode de jeu qui soit. Qui soit un peu basé sur, le, sur les mobs. Vu que le contenu PvE, tu peux. Tu peux le clean. Tu peux le clean de manière. Comment dire. Tu peux le clean avec à peu près tous les mobs du jeu. C'est normal que il y ait certains contenus qui soient réservés entre guillemets à l'élite des mobs quoi. Mais bon. Si ma outspeed c'est mort.
Combien de taux crit elle? Aïe aïe. Merde, il m'a outspeed. Oh, j'ai peut-être une chance. Ah bah non, ça va être nav à me stun. Je peux cut ou pas? Ah non, je peux pas cut. Please. 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 Va jouer à la Game Boy. Je valide cette insulte. Allez, n'y crois. Donc je me débarrasse de son. Non. Oh non. Oh, ok. Huc. Aïe aïe. Salut, je tente de speed des Bélis en ce moment, ma team s'est verdée. Mais il arrête de proc ce Orion. Nanana, en ce moment ma team. Gagnons en Swift. Ma team en run bien monté, mais cette team ne passe qu'à 60%. Ah ouais. Je pense que c'est ta vitesse qui va pas, à mon avis. Tu vas avoir un problème de speed. Parce que ta team, elle devrait passer, surtout si t'as du fight. Ça doit vraiment être un souci de... Un souci de speed, à mon avis, sur tes mobs. C'est ça qui doit te bloquer. J'arrive pas, hein. Je vais pas me coucher tant que j'ai pas cleave un mec. Ça c'est clair et net. J'essaierai toutes les compos du monde, mais je veux cleave un mec. Ça. Sept ans plus tard, toujours sur le stream. Ok. Aïe. Va pour exaucer ses vœux. Aïe aïe. C'est dangereux de jouer avec la modération. C'est très dangereux. Enfin, c'est le perna. Je pouvais pas le perna parce qu'après on aurait dit que je. On aurait dit que j'avais ragé et que je l'avais ban parce que je rageais de ce qu'il. C'est pour ça que le ban ne devait pas venir de moi. Mais je valide cette action. Bon, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Le problème, c'est que là, la Pra va me faire yesh. Oh, je l'arrive à la stun. On va essayer de jouer sur le BDF. Non, la basse tête est stun. Oh.
Et Bagdad là. Ok. Stun up. Si, mon bel, la jouer, elle est runée, bien sûr. Non, elle proc. Putain, j'ai un glancing sur la tête, je vais faire 0 dégâts. On va essayer de se débarrasser de la pra rapidos. Je peux slip encore. Oh! Et ça serait le moment. Est-ce qu'on n'est pas, on est pas trop mal là hein. Je pense qu'on est pas mal là. Bah, du coup, ça sera pas une cleave. C'est pas trop une cleave team, mais on aura quand même gagné. Aïe aïe aïe. Rika. C'est pas très fort. Non, non, non. La kitchen feu est bien ou pas? En écro, je crois qu'elle est jouable. Mais c'est pas ouf. Oh. Alléluia. Oh, il avait 1200 points. Aïe, aïe. La honte. Quoi. Bon, les petits potes, sur ce, on va se quitter. J'espère que vous avez kiffé le stream. Les deux petits lags marrons qui ont pop sur le compte de Sifiroé. Et puis voilà quoi. Merci à vous d'avoir suivi en tout cas. Désolé pour le troll à la fin. Et puis voilà quoi. Bonne nuit à tous. Et puis on se retrouve demain 22h minuit. Je sais pas encore ce qu'on fera, mais on trouvera bien quelque chose à faire. Allez, je vous mets 3 minutes de pub. Si vous pouvez enlever Adblock comme d'hab, c'est cool. Ça... la chaîne. Bonne soirée, bonne nuit à tout le monde. Merci pour votre patience, merci d'avoir suivi. Et bisous, bisous.